Bienvenue chez Fabricville. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour coudre du simili-cuir. Cette matière est idéale pour la décoration intérieure et les accessoires comme les sacs, et du simili-cuir léger vous permettra de réaliser des vêtements. La coupe du simili-cuir est très facile. Le tissu ne se déforme pas et ne s'effiloche pas. Laissez les bords crus si votre projet est doublé. Sinon, vous pouvez utiliser des ciseaux crampeurs ou surfiler les bords. Attention, le simili-cuir ne pourra pas être décousu car l'aiguille va laisser des trous visibles. De même, il est préférable d'utiliser des pinces plutôt que des épingles. Vous pouvez coudre le simili-cuir avec un point d'au moins 3 ou 4 mm car un point trop court pourrait couper la matière. Utilisez une aiguille à machine à coudre standard de taille 80 ou 90. Surpiquer les coutures en simili-cuir permet de les renforcer et donner de belles finitions. Parfois, les pieds de machine à coudre standard glissent difficilement sur l'endroit du simili-cuir. Les pieds en téflon glissent parfaitement, mais il existe d'autres options. Vous pouvez placer du masking tape sous le pied de biche. Vous pouvez aussi placer des bandes de papier sulfurisé entre le pied et le tissu. Ce papier sera facile à enlever par la suite. Voilà pour ces quelques conseils sur le simili-cuir. Merci et à bientôt !